Coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Call of Duty Modern Warfare 3. On est parti pour la mission oligarque. Soap et Ghost s'infiltre sur une île privée pour retrouver la personne qui finance Makarov. Let's go. Début des hostilités, Johnny. Une tempête se prépare. Les gars, vous en êtes où? On est sur la cible, Watcher. On va se séparer. J'ai lancé une reconnaissance aérienne. Au boulot, bravo. J'y vais. Reçu. Notre premier objectif est la clé. C'est l'agent de sécurité de Milena qui l'a. Il est notre cible prioritaire. Soap, il sera de votre côté de l'île. Dommage pour lui. Je vais pas le louper. Je traque la position de notre cible prioritaire. Le signal est mauvais, mais sa position sera actualisée quand il avancera. Je vais sécuriser le périmètre. On reste en contact. Bonne chance, lieutenant. Ouais, ils en auront besoin. C'est un. Vous avez un ennemi sur les quais. Je le vois. Ah ouais? Moi, je le vois pas, hein. Ah oui, là-bas. Et merde. Une tempête se prépare. Fais chier. À la flotte. Watcher, véhicule d'évasion confirmé dans le périmètre. Combien? Il y a une crique avec 4 bateaux pneumatiques. Un hélico près de la plage est. Et quelques gardes. On ne peut pas les laisser s'échapper. Éliminez-les. Bien reçu. Personne ne s'échappe. Je regarde sur la plage. Quand la Shadow a fouillé cette île, ils ont laissé du ravitaillement. Voyez ce que vous pouvez trouver. Reçu. Ça peut toujours servir. Putain, vous avez vu la taille de ce bateau? L'argent ne fait pas le bonheur, Johnny. Ça me dérangerait pas de pleurer sur le bateau. Je pense pas être très malheureux non plus, Laswell. Laswell, vous êtes plutôt mer ou plutôt montagne? Je suis obligé de choisir. Un peu de chaque. Vous avez bien raison, Laswell. J'ai neutralisé les gardes à l'arrière. Saboter tous les bateaux et véhicules. Personne ne doit entrer ou sortir, Ghost. Je m'en charge. Je suis à côté des petites chambres. Comment vous appelez ça, Roger? Je dirais que ce sont des cabanons, c'est un. T'aimes pas la plage, Julien? Hein. Je préfère la neige, lieutenant. Ski ou snowboard, Soap? Snow. Le snow, c'est pour les sauvages, Johnny. Et vous, Laswell? Motoneige. Ça a un moteur à combustion interne. Ça règle la question. C'est un bon argument. Il faut éliminer la cible prioritaire, sergent. Mais lol! Tout de suite. Ils vous ont repéré. Mais la blague! Comment il a fait pour me voir? Détruit. Je m'attaque à l'hélico. Bon travail, Ghost. À toutes les unités, faites attention, un hélicoptère de Connie entre dans la zone. Oh putain, allez, vas-y. On reprend où là? L'état d'alerte en ce moment. Attention. Super. Allez, cette fois-ci, on se fait pas gauler. Toi, mon gars, je devrais te déglinguer de suite. Super. Maintenant, à toi. Je regarde sur la plage. Quand la Shadow a fouillé cette île, ils ont laissé du ravitaillement. Voyez ce que vous pouvez trouver. Et aussi, enfin... Ça peut toujours servir. Watcher, véhicule d'évasion confirmé dans le périmètre. Combien? Il y a une crique avec 4 bateaux pneumatiques, un hélico près de la plage est, et quelques gardes. On ne peut pas les laisser s'échapper. Éliminez-les. Bien reçu. Personne ne s'échappe. Écoutez, j'ai fait quelques recherches sur notre cible. Il s'agit de Nestor Gustav. Dites à sa famille qu'il rentrera pas pour le dîner. Je suis à côté des petites chambres. Comment vous appelez ça, Watcher? Je dirais que ce sont des cabanons, c'est un. T'aimes pas la plage, Johnny, hein? Je préfère la neige, lieutenant. Ski ou snowboard, Soap? Snow. Le snow, c'est pour les sauvages, Johnny.
Et vous, Laswell? Motoneige. Ça a un moteur à combustion interne. Ça règle la question. C'est un bon argument. Mais voilà. Neutraliser les gardes à l'arrière. Saboter tous les bateaux et véhicules. Personne ne doit entrer ou sortir, Ghost. Je m'en charge. J'entre. Prenez tout ce qui pourrait nous intéresser, Soap. Tu dois éliminer la cible prioritaire, sergent. Bouge-toi. Tout de suite. Excellent. Pas mal, la salle de bain. Là. Non ? D'accord. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a rien à récupérer ici, hein. Je sors. Reçu, je vous vois. Bateau détruit. Je m'attaque à l'hélico. Bon travail, Ghost. Romanova требует rapport каждые 10 минут. Убедись, что они на связи. Понял. Я им сообщу. Есть новости с той стороны? Там все чисто. Скажи им, пусть проверят еще раз. Расчетное время. Должны закончить за 20 минут. Вектор чист. Je passe à l'intérieur. Ça va être compliqué de faire tout ça en fufu, hein. Je quitte le bâtiment. Reçu. L'île grouille de soldats de Connie. Dégomme-les, Johnny. Avec grand plaisir. Tous les gardes du périmètre ont été neutralisés. Je vois plus aucun mouvement. Reçu. Restez là et défendez la zone. La cible est rentrée. Entendu. On n'a pas le temps de regarder l'arme. Ok, ça me paraît bien. Mets-toi au boulot, Johnny. Trouve la cible prioritaire et bute-le. Avec plaisir, lieutenant. Qu'est-ce qui relie Makarov à Milena? Depuis quand ils se connaissent, Watcher? Son mari et Makarov étaient amis de longue date. Qu'est-ce qui est arrivé au mari? Il est tombé sur un couteau. 9 fois. Je vois. Je suis à l'extérieur. Ils vous ont repéré. Ouais. Ils ont perdu votre trace pour l'instant. Super. Fouillez la zone. La porte du bunker s'ouvre. Reçu. La cible est dehors. Compris. Reçu. Traque la cible prioritaire. Une fois à l'intérieur, vous aurez besoin de sa clé. Ok, je dois éliminer la cible prioritaire. D'accord. Allez, ramène-toi. Gustav prend les escaliers. D'accord. Il a 2 soldats de Connie avec lui. C'est toujours mieux que 3. Attends qu'il soit seul si tu peux, Johnny. Je vais essayer.
Votre position est compromise. Regardez près de la fontaine. La cible est là-bas. Reçu. J'ai éliminé la cible. Prenez sa clé. Ah ouais ? On l'occupe. Neutralisez la cible et récupérez sa clé. Sans ça, impossible d'accéder au terminal. Faites attention, un hélicoptère de Connie entre dans la zone. Toute l'île est en état d'alerte en ce moment. Je l'ai. Ok, j'ai la clé. Ah là 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 là, moi et l'infiltration. Vraiment. Bunker est là. Je suis dans le bunker. Dégagez la zone avant d'accéder au terminal. Ouais. Avec ça, je me sens beaucoup mieux. Ok, le terminal démarre. Beau travail, Soup. Je vois plusieurs comptes, banques et numéros de comptage. C'est un truc, mais tout est bloqué par verrouillage biométrique. On capte plusieurs appels en provenance de la maison principale. Milena doit être à l'intérieur. Il nous faut son visage, ses yeux. On va devoir capturer Milena. Attention, le groupe Connie. Allons-y, lieutenant. Vous êtes encore combien là ? Attendez, moi je vais recharger. Ils se sont calmés, c'est bon. Mais forcément, avec tous ceux que j'ai tués. Ouais, on va aller à droite. Est-ce que c'est grand ? Ouais, ça a l'air. On va un peu explorer tout ça. Ouais. Écoutez, c'est un silencieux. Oui, elle est belle, ton arme. J'ai trouvé une mine à dispersion. Gros dégâts dans un large rayon. Vous avez là une arme redoutable. Mais pour l'instant, ça me sert pas à grand chose. Ok. La voie est libre. Qu'est-ce que c'est ? Un drone ! Il se signe le parc caché. Rayon, c'est codé ! Открыть огонь ! Thank you.
Allez, on fonce. Attention, bravo. Une nouvelle activité de drone sur l'île. Surveille le ciel, Johnny. Explose ces satanés. Oh merde. Oui, lieutenant. Soap, Romanova passe un appel depuis son bureau. J'ai intercepté le signal. On devrait écouter. Bougez pas. Qui tente d'accéder au terminal? Trouvez-moi, Gustav, et vite. Gustav n'est plus disponible, ma chère. Attention, Milena est en panique. Elle tient beaucoup à cet argent. Bien, ça nous aidera. Nom d'un chien. Qu'est-ce que t'as vu, Johnny? Ce garage ressemble à un putain de musée automobile. Eh ben, épouse une oligarque avec une île. Et tu pourras en profiter. Excellent. Oh la vache! Ça ne veut rien dire! Ouais, ça se met vraiment bien. Et pourtant, ça c'est un garage. Attention au drone, c'est un. Attention! Maison principale. Reçu. Faites attention, je vais faire. Ok, où est Romanova? Caché dans son bureau au deuxième étage, derrière une porte verrouillée. Comment on y entre? Si vous coupez le système de sécurité, je pourrais ouvrir la porte à distance. Ça devrait aussi notre être. Même si on arrive à la Romanova, Connie vous traquera sans relâche. Ils s'arrêteront quand ils seront morts. Très juste. Soap, vous savez quoi faire. Vous me connaissez, Watcher. Je ferai le ménage. Tu le coupes, ce courant, Ghost? J'ai trouvé le disjoncteur. Concentre-toi sur ce que tu fais, Johnny. Ok, d'accord. En déconnectant le système de sécurité, on déconnecte aussi les drones, ouais. Si tout va bien. Ouais, non, je vais garder ma batteuse. Lieutenant, t'en es où? J'ai presque fini. Tiens bon. Tant pis. Attends. Ouais. Oh là 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 là! On récupère des bonnes armes, hein. C'est bon, la porte est ouverte, les gars. Force spéciale, main en l'air! Assis. Va te faire foutre. Assieds-toi, Milena. Dis-moi où est ton boss. Je n'ai aucun boss. Et personne ne me dit quoi faire. Comment ça se passe, les gars? Elle veut pas parler. Elle va changer d'avis. Donne-moi ta main. Pourquoi? Vous allez me la couper? C'est pas mon style. Lui, je dis pas. Pourquoi un masque? Pour cacher mon visage. On y est. C'est sûrement pas en fouillant mes comptes que vous allez retrouver Vladimir. C'est ce qu'on va voir. Je vois plusieurs comptes de Connie cachés à la vue de tous. Des virements ont été effectués récemment à la prison de Zordaya. Le goulag. Elle a financé l'évasion de Makarov. L'argent ouvre des portes.
Alors on va alléger les coffres de Makarov de quelques roubles. Fait. Dites-moi s'il y a une réaction. On vient de virer 85 millions sur un compte secret de la CIA. Le travail de Vladimir a déjà été payé. Vous êtes pas très bon à ce jeu-là. Vous non plus, tous vos hommes sont morts et vos comptes sont grands ouverts. Vous ruinez l'avenir de Makarov, pas le mien. Soap, vous avez entendu ça? Parfaitement. Rendons les choses plus personnelles. Il faut qu'on quitte la zone. Faites vite ou on l'embarque. La Banque Nationale Suisse. C'est ton compte personnel. Pas vrai, hein? L'argent a à peine bougé. Ça va pas durer. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je crois qu'on a trouvé notre moyen de pression, messieurs. Vidons le compte. Je vous interdis de faire ça! Un problème, Madame Romanova? J'ignore tout des projets de Makarov. Je le finance, rien de plus. Donne-lui ton doigt. Ou bien dis-nous où se cache Makarov. Je vous emmerde. Vous et votre collègue qui vous chuchote à l'oreille, l'argent qu'il y a sur ce compte est à moi. Je me suis battue pour l'avoir. Insistez, elle va craquer. Dernière chance, ou il prend le relais. Il saura que vous êtes venu. Je suis fichu sans mon argent. J'en ai besoin. Et nous, on a besoin de Makarov. Dis-nous où il est. Vostok! De l'argent a été envoyé à Vostok Capital, à Saint-Pétersbourg. Vladimir achète de vieilles propriétés, des bâtiments abandonnés, mais j'ignore ce qu'il fait avec. C'est tout ce que je peux vous dire. Je l'ai trouvé. On a ce qu'il nous fallait. Ce fut un vrai plaisir. Tu vois quand tu veux. Quand vous le supplierez de vous épargner, il vous tuera sans pitié! On se reverra en enfer! Même les Shadows finissent par craquer. Tout le monde craque, pas seulement eux. Si c'est pas la Shadow qui a approché Milena, alors qui? Price et tous ces enfoirés de l'Arbin. Avec un coup de main d'un Shadow? Cette relation est purement transactionnelle, crois-moi. Les infos qu'on a arrachées aux prisonniers doivent être utilisées au plus vite. Laissez-moi m'en charger. Non, j'ai besoin de toi ici. On doit se séparer. S'ils ont trouvé Milena, ils nous trouveront nous aussi. Vous pensez qu'ils en savent davantage? J'en doute, mais fais en sorte que ça n'arrive pas! S'ils se pointent ici, on sera prêts à les recevoir. Je veux que tout le monde sache qu'on ne laissera personne nous faire obstacle. Et j'ai dit absolument personne, sans exception. C'est bien clair? Oui, c'est très clair. Si les renseignements de notre ami de la Shadow sont exacts, tu seras le tout premier à le savoir. Et sinon... t'auras qu'à le buter! On a fait parler Romanova. Comment? Une petite torture financière. Les infos de Shepard étaient bonnes. Ce sont les nôtres maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'exploitable? L'une des nombreuses sociétés écrans de Romanova a acheté un immeuble abandonné à Saint-Pétersbourg pour le groupe Kony. Quand? Récemment. C'est sûrement un avant-poste. C'est sûr et certain, capitaine. J'ai localisé le bâtiment. Les dernières images satellites montrent un ballon d'extraction sur le toit. Si c'est là, c'est pour exfiltrer rapidement quelque chose qu'ils veulent pas qu'on trouve. Ou quelqu'un. Ce bâtiment grouille d'ennemis. Gaz balayera la zone de base en haut. Je me chargerai de couvrir le toit à distance. Comment on s'exfiltre? L'hélico, c'est trop risqué. Récupérez tout ce que vous jugerez utile. Nick vous tirera de là par avion. Le ballon. Le Felton. Si Makarov est là-bas, capturez-le. 6 pour Watcher, drone actif. Vous devriez avoir un visuel. Affirmatif, John. Je vois plusieurs soldats de Kony sur le toit du bâtiment nord. Mais aucun signe de Makarov. Qui est le type au centre de l'attention? Ça a l'air d'être leur chef. Je vais lancer un scan pour essayer de l'identifier. Reçu. Gaz, vous êtes en position? Bien. Découvrez ce qui se cache ici. Ne repartez pas les mains vides. Watcher, terminé. Affirmatif, c'est quand vous voulez. Gaz avancé, dites-moi quand vous êtes devant la cage d'ascenseur. Reçu, je bouge. C'est bizarre quand même ce filtre blanc, mon gars, parce que là, j'ai envie de te dire... Attends, reprendre... Ici, graphisme, flou 100, non, grain 0, profondeur de champ. Je comprends pas pourquoi il y a cette espèce de voile blanc. Je pense que tout le monde le voit.
J'aurais bien aimé un jeu un peu plus contrasté au niveau des lumières, des ombres, etc. Capitaine, je suis à l'ascenseur. Il y a une échelle. Reçu, grimpé. Bravo, j'ai identifié notre cible. Il s'agit d'Andrei Nolan. Il faisait partie de l'Inner Circle avec Makarov. C'est un gros poisson du groupe Kony. J'aurais deux, trois mots à lui dire alors. Moi d'abord. Moi aussi, je veux en être. Nolan est notre nouvelle cible. Capturez-le et ramenez-le-moi. Reçu. Gaz, on repart pas sans Nolan. Commencez à grimper jusqu'au toit. Reçu. Comment on va l'exfiltrer ? Attends, y a pas une poignée bloquante, là ? Je vais sécuriser l'exfiltration, je vous rejoins en haut. Fais chier. C'est bien. Oh, putain de merde. Attention, des ennemis approchent de votre position. Мы уже очистили этот зал. Здесь никого нет. Зачищаем еще раз. Приказ Нолана. Oh, excellent. Deux pour le prix d'un. De l'autre côté, il n'y a pas de porte vers la droite. Gaz est pour lui. Ouais, mais non. On va garder le silencieux. Il vous cherche, Gaz. Faites gaffe. Je monte au sixième étage. Vous avez fait la moitié, Gaz. C'est bon. Ça grouille de soldats de conneries, chef. Je vous couvre du mieux que je peux, ça va aller, Garrick. Gaz, il s'appuie de ça. Fais chier. Si seulement j'étais plus précis. Les escaliers sont bloqués. Cherchez un autre moyen de monter. Merde. Faites attention, Gaz. Ouais, non. Ça, je dis pas non. D'accord. Je suis dehors. Ah, je pouvais passer par l'extérieur. Sympa, ça a l'air vachement ouvert. Non mais c'est bon, on avait dit non. Attention, la zone est piégée. Bougez-vous, Gaz, on a un russe à embarquer. C'est truffé de pièges. Vous pouvez essayer de les désactiver. Ça, je vois rien aussi là.
Tu veux que je fasse? Oui, y a rien, hein, mais moi c'est pareil. Hein. Pas une lumière là, bordel! Ouais, je prends ça, on remplace. Je suis au sixième. Vous avez fait la moitié, Gaz. Alerte à tout le personnel. Je le prends au septième étage. Vous arrêtez pas. Ne baissez pas la garde, sergent. Cogny est à vos trousses. Nolan a alerté toute son équipe, ils savent que vous arrivez. Le tir à la... Oh, lapin, là. Ouais, je pense qu'on va devoir passer par là. Je passe au huitième. Encore quelques étages. Allez, on va la voir. Je vois où on peut monter. Ah, il y a même plusieurs échelles. C'est bon à savoir. Là, tu vois, pour moi, là, c'est le choix de la facilité. Vu qu'il réutilise les maps de Warzone. Après, je dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est pas intéressant. Des pièges partout. Mais ça joue sur la facilité. Oh la vache. Je peux pas avoir une lunette nocturne ? Faut que je la récupère où, la bordel? Ou même une poignée bloquante? Je monte au 9ème étage. Vous touchez au but, Gaz. Ah.
malade là. Enfin si, je sais où, je sais qui c'est, mais d'où il les jette en fait. Ah ok. Pif paf pouf. Par là, c'est Keblo. Bloqué. Là, non. Elle m'est bien utile, cette lunette. Comment accéder à l'autre côté ? Ah oui, d'accord, ok. Je dis ok, mais en fait non. J'apprécie votre soutien. Oh merde, le con. Touchez au but, gaz. Je suis au 9e étage. Je suis au 9e étage. Entendu. J'aime bien les petites animations comme ça là. Oh, sympa. Ça me dit pas comment je vais faire moi. Moi je vais faire. Bon, j'ai eu chaud. Qui ose gagne. Trouvez un raccourci. Tu grimpes au 11e étage. Reçu. Thank you. J'ai trouvé un câble. Ça vous évitera une balade. Attends mais... Ah ouais d'accord, ok. Ouais, ça nous ramène là. Je vois pas comment faire pour accéder à ce coin-là. Là, j'ai trouvé un câble. Ça vous évitera une balade. Merde, le con. Non, prends le C4. Bon, je l'enclenche. Ouais, non. Si, je fais ça. Ah bien. Eh ouais. Ça marche pas. Putain de merde. La blague.
Faites attention aux clés morts. Gaz, vous approchez du toit. Attendez-vous à rencontrer de la résistance. Ouille, aïe, ouille. Doucement, je vois des clés morts près de vous. Ouais. On va les pirater. Voilà, comme ça. Ça, non. Oh. Un fusil à pompe, oui, mais non. Merde. Je ne sais vraiment pas tirer. J'ai plus de... D'accord. Non. Porte bloquée toujours. Mais je vois pas comment faire, hein. Chef. Reçu, je vous rejoins tout de suite. Ah, c'était toi, d'accord, ok. J'ai cru qu'on me tirait dessus. Tuez tout ce qui bouge, mais n'oubliez pas qu'il nous faut Nolan vivant. Ok. J'ai Nolan en visuel. Attention, la cible est lourdement protégée, capitaine. Compris. Immobilisez ce connard. Ne le tuez surtout pas. Vous êtes un rabat-joie, chef. Oh, ça fait rien chier que je tire comme une merde. Merde, j'ai hésité à one-shotter le gars, mais je crois que c'est celui qu'on doit capturer. Pas mal le son de l'arme, hein. Rocket
Putain, ça pète pas ça! Oh là 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 là, j'ai pris tellement cher! J'ai plus de plaque d'armure. Ah, il vient de me chercher. Cible à terre. Mais j'ai rien fait, moi. J'ai un visuel sur Andrei Nolan, le bras droit de Makarov. Il est à terre. Gaz, capturez notre homme. Il est pas mort, il peut encore être dangereux. Attendez. Il nous le faut, vivant. Ne faites pas, ils ont tiré des informations. Soirée. Watcher, on tient notre cible. Envoyez l'exfiltration sur le toit. Au sud-est, complètement. Le voilà. Tuez-moi. Je vous dirai rien. C'est ce qu'ils disent tous. Je vous emmerde, vous m'entendez? Allez vous faire foutre. Je le vois cracher son venin d'ici. Faites-lui fermer sa gueule. Ennemis approche du toit. Bravo pour Watcher, cible sécurisée. On se dirige vers l'exfiltration. Bien reçu, Yankee en approche. Il sera là dans 2 minutes. Tenez-vous prêt. Reçu. J'espère qu'on a assez de chargeurs pour tenir jusqu'à l'arrivée de Nick. Ils sont déterminés à récupérer leur boss. Ils peuvent toujours courir. Mais avance pas trop vite, couillon! Accrochez-nous là nos câbles et aidez-moi à dégager la zone. Attends. Attachez-vous à la cible.
C'est bon, capitaine. Tenez-vous bien. Où est-ce qu'on en est avec Nolan? Il est pas très loquace avec nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Il mène une guerre contre le monde entier. Il a une confiance aveugle en Makarov. Makarov a besoin de lui. Il a pas arrêté d'essayer de le joindre, il sait que ça va pas. Vous avez intercepté leur communication? Affirmatif. Nolan a peut-être pas voulu parler, mais sa radio et son téléphone l'ont fait pour lui. Qu'est-ce qu'on sait? Il dépose quelqu'un ou quelque chose dans une prison soviétique abandonnée. Où ça? En Sibérie. Quand? Demain. C'est notre chance de choper Makarov. On n'a aucune garantie qu'il y soit. Je prends le risque. J'en étais sûr. Nick vous déposera et vous reprendra. Je veux tout le monde sur le coup, y compris Farah. Avec Ghost, c'est notre meilleur sniper. Vous pouvez la prendre en chemin. Je la préviendrai. Faut du C4 et de l'équipement imperméable. On va se mouiller? On va faire plonger Makarov. Watcher pour 07, vous en êtes où? 07 en position avec Kilo. Bravo et dans l'eau. Reçu. Où est notre cible? Un convoi depuis le sud-est. 4 véhicules. Vous voyez Makarov? Pas de visuel, mais le troisième véhicule est sous haute protection. Ghost a tous les bravos. Vous me recevez? Tous les véhicules. Le véhicule cible est en train de couler. Faut faire quelque chose, capitaine. Bah alors, mon petit père, t'es bloqué? La cible va manquer d'air. C'est quelle voiture? Ah ouais, là. Négatif. Pas de Makarov, juste un prisonnier. Sortons-le de là. Reçu. Prisonnier sécurisé. On remonte à la surface. J'attends. Ah, les autres, on s'en fout, hein. Six pour Watcher. Aucun signe de Makarov. La cible n'était pas dans le convoi. Prisonnier intercepté et mis en sécurité. Identification. Attendez. Bordel de merde. McTavish. C'est quoi ce bordel, capitaine? Oh putain! Mais vous trempez dans tous les coups foireux, ma parole! Ghost, tu vois ça? Je l'ai dans mon viseur. On a qu'à le buter et on n'en parle plus! Capitaine, c'est qui? Cet enfoiré de leader Gold Eagle. Shepard? Ouais, en personne. Putain de merde. Capitaine, on fait des proies faciles. Alors restons pas là! Qu'est-ce que vous faites là? Ils nous traquent, John. Ils ont commencé par moi. Qu'est-ce que vous leur avez donné en échange de votre vie? Je ne leur ai rien donné. Des conneries! Je suis un général américain 4 étoiles. Et ils t'ont laissé en vie? Je suis d'avis qu'on le remette dans la flotte. Je connais la prochaine cible de Makarov. Mais vous saviez même pas que c'était vous, la cible! Ah, mais vous tourniez en rond avant que j'intervienne. Parle dans ce cas! Pas avant que vous me sortiez de là. À tous, j'ai repéré des hélicos en approche par le nord. 10 kilomètres. Reçu. Qu'est-ce qu'on fait, bravo?
Les infos sur l'oligarque étaient solides. Maintenant, même s'il ment, il peut nous être utile. Si on le jette, on n'a plus rien. Ghost, Farah, à l'exfiltration. Compris. Watcher, Titanic, qu'on a un invité. Je préfère ça. Bon. Et si vous me donniez un gilet? Et une arme? Non. Non. Au moins une arme. Il pourrait nous aider. Donnez-lui des thermiques et une arme de poing. Vous restez avec Gaz. Un seul pas de travers, et je vous explose la cervelle. Le plan est de foncer vers le véhicule et de rouler jusqu'au point d'extraction. Je crains que votre invité ne vous ralentisse. Faites attention à vous, terminé. Lazuel a raison. Le brouillard s'installe. C'est un temps à utiliser des lunettes thermiques, chef. Je passe en visée thermique. Je me pèle le cul, moi. Une petite hypothermie. Ça vous tuera pas. Vous manquez de discipline, sergent. À votre place, je chercherai pas trop. Ça va mal finir pour vous, général. Ma foi, c'est plutôt sympa, hein. L'hélico ennemi a déployé plusieurs tireurs. Je les ai repérés à la thermique à 11h. Ils me cherchent. J'ai très envie de les laisser vous trouver. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On peut se cacher et les laisser passer. Ah, разве в этой дымке что-то найдешь? Идем дальше на восток. Et ils viennent vers moi, là. Hein. Ils nous ont entendus. Ennemi éliminé. Peut y en Mais vous étiez planqué où, vous? Vous avez encore tiré, général? Vous osez douter de mes capacités? Assurez-vous de ne pas rater vos cibles. Comptez sur moi. Le véhicule est encore loin. On voit pas trop de traces dans la neige. Attention, ça venait de ces arbres là en face. Quelqu'un a un visuel? Négatif. Rien à la lunette thermique. Un camouflage thermique. Gaz, surveillez Shepard. Saupez-moi, on se charge du sniper. Bien sûr, suivez-moi, général. Du mouvement, sergent. Je t'obéis pas. Négatif, je cherche. Le sniper change de position. Sniper en vue. C'est bon, sniper éliminé. Oh là là, j'ai pris cher. Hein. Gaz, venez nous retrouver. Reçu, j'arrive. C'est un putain de merdier. J'espère que tes infos sont solides, général. Mes infos sont toujours solides, Soap. Vous le verrez quand vous m'aurez sorti de là. Je vois notre véhicule là-bas. Il semblerait qu'on ait des admirateurs. Affirmatif. Une équipe d'assaut. Six pour Farah et Ghost. Notre véhicule est compromis. Ghost sécurise le point d'extraction. Je vous retrouve à la Syrie. Passez à pied par la crête, derrière le champ. Reçu. Vu la chance qu'on a, on en croisera d'autres. Il y a du ravitaillement et des munitions dans le véhicule. On devrait les prendre. On passera inaperçu si on reste près des arbres. C'est pas tout mon truc, la furtivité. Attention, chef. Les snipers sont actifs. Cassez-vous. Général, vous venez avec moi. Baissez la tête et fermez votre gueule. Le moteur est foutu. L'équipement est encore utilisable.
détruit. Un sniper dans les arbres. Tu le vois où? Capitaine, si vous avez un fusil de précision, c'est le moment de s'en servir. Non mais j'en ai pas. J'en ai pas moi. J'en aurais raté un là. Je manque de munitions. J'ai des munitions. Sniper supprimé. Sniper ennemi éliminé. Joli, plus qu'un. Ah bon? Trouvé. Je l'ai eu. Zone dégagée, bon travail. N'en attendez pas moins. C'est un plaisir de vous voir à l'œuvre, les gars. Le véhicule est mort. Foncez vers la zone d'extraction. On retrouve Farah à la Syrie, on neutralise toutes les menaces. J'aime ton état d'esprit, Gal. Si on suit la rivière, on devrait arriver à la Syrie. Saut pour Ghost. On sera là dans quelques minutes. Reçu. La zone d'extraction est sécurisée. Je vous préviendrai s'il y a du changement. Terminé. Quoi encore? Farah est là-bas. Réponds, Farah. Des patrouilles ennemies envahissent la Syrie. Allons nous joindre à la fête, capitaine. Farah, qu'est-ce qui se passe? Je me fais tirer dessus, à l'autre bout de la Syrie. Ne bouge pas. On va essayer de les contourner. Merci. Bravo 6, je te conseille de passer à gauche. Farah compte sur nous. Allez, hop hop hop! Farah, quelle est ta place? Sur le toit, continue d'avancer, je vous couvre. Gaz, mets tes shepherds à couvert, saute avec moi! Ok. John, désarme, là. Où ça? Ah ouais, là. Ouais, non mais c'est bon. Général. Vous osez douter de mes capacités. Attention, vous vous répétez. Merde, je suis en train de tirer sur Farah. Quel con. Désolé, Farah. Ça grouille de soldats ici. Affirmatif, chef. On va leur faire bouffer du plomb. Plus loin, capitaine. Capitaine, je vois deux snipers dans l'entrepôt. Reçu. Je suis presque à sec. Au premier niveau. Plus que 4 balles. Pas que je me rate. Sniper neutralisé.
Véhicule ennemi en approche. Ah, merci pour les munis. Reçu, je vois. Votre colonie se dirige vers toi. Il y en a plus, il y en a encore. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Tu l'as eu? Ok, zone sécurisée. Bien joué, bravo. J'aime beaucoup les sons des armes. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Bien hein. Sûr. On arrive. Notamment le bruit de cette arme. Ah bien. Tire pas, je descends. L'exfiltration se trouve juste en bas de cette falaise. Ghost est posté là-bas. Allons le rejoindre. Vous êtes loin de chez vous, Kilo. Tout comme toi, Gold Eagle. À toutes les unités, plusieurs hélicos ennemis déploient des renforts. Reçu. Tenez vos positions et tirez sur tout ce qui bouge. Ok. Ça va chier. Oula. Ouais. Heureusement qu'on a les viseurs qu'il faut. Alors comme ça, les soldats de Connie sont venus t'emmerder, Ghost. Ouais, j'étais pas d'humeur. Il y a du mouvement. Probablement une embuscade. Ça n'en sera pas une, si on a... Gaz a raison. Farah et Soap, partez à gauche. Gaz et Shepard, à droite. En avant, général. Allez dans l'eau, pour vous pomper. Il va neiger. C'est bon de se sentir utile. Calme-toi! Chassez les chasseurs, tout ce que j'aime. Contentez-vous de tirer au bon moment, en général. Tuez-les! Jeter des grenades. C'est ce que j'utilise depuis tout à l'heure, hein. Thank you.
marque la zone d'extraction près du bateau. Regroupez-vous là-bas. Ça chauffe par ici. Visuel. La zone d'extraction est là-bas. Bougez-vous, capitaine. Price, j'ai besoin de muni. Price. Merci. Ah merde! Enfin! C'est dégagé. Par ici, Bravo. Watcher pour Bravo 6. Quelle est la situation, John? On est au point d'extraction. On va devoir tenir la position jusqu'à ce que Nick vienne nous chercher. Équipez-vous. Ils vont revenir. Ennemis sur les docks! Envoyez un putain de régiment. Arrêtez pas de tirer. On pourra pas partir tant qu'ils seront là. Oh merde. Ouais, je m'étais pas assez bien planqué. Et elle est bien cette mission. C'est aussi parce que j'ai une arme que j'aime beaucoup. Ils ont envoyé un putain de régiment. Arrêtez pas de tirer. On pourra pas partir tant qu'ils seront là. Véhicule ennemi en approche. Sans drapeau américain, vous n'êtes qu'un pauvre type gelé, général. La crème de la crème. Réunis au même endroit. Quelqu'un fait tâche, clairement. Puis-je demander quel est le but de cette réjouissante assemblée? Un choix. En est-ce vraiment non. Un? Je vous écoute. Allez-y parler. Vous allez tout nous dire. Vous savez déjà tout. Mais pas le concret. Je parie. Ça le fascinerait, pas vrai? C'est tout? Non. Vous allez laver mon nom.
Dites-leur qui je suis, ce que vous m'avez donné et pourquoi. Personne d'autre n'a eu le courage de faire ce que j'ai fait pour vous. Pour tout le monde. Alors faites le nécessaire, Général. File-leur toutes tes infos sur Makarov et sur ton bouffon Graves. Dites oui, et vous rentrerez chez vous. Ou alors, on te laisse réfléchir et crever de froid. Moi, je préfère cette option. En priorité, faites en sorte que le prisonnier ne pense qu'à sa survie. Et tôt ou tard, il finira par craquer. Je suis content que l'entraînement vous revienne, Général. Vous me poignardez dans le dos, John. Et vous allez regretter de ne pas m'avoir tué. Karov veut terminer ce qu'il a commencé à Verdansk. Il a ordonné à Conny d'attaquer le barrage de Gora cette nuit. S'il détruit le barrage, toute la ville sera inondée. Beaucoup de vies seront perdues. Si on suit sa logique, il mettra ça sur le dos de Farah et de l'Occident. À moins qu'on l'en empêche. Occupez-vous du barrage. Alex et mes soldats ont retrouvé Conny dans un aérodrome au nord de l'Urzikstan. On pense que c'est la base d'opération avancée de Makarov. Je mènerai un assaut au petit matin. Ton armée n'y arrivera pas seule. Je sais. La Shadow nous fournira un soutien aérien. On peut pas laisser Graves tout pilonner près de Farah et de son armée. Je leur fais confiance pour ça. Vous m'avez demandé de contrôler Graves, je le ferai. Vous avez intérêt, Général. Vous la voulez, cette victoire? Évidemment que je la veux. Gaz et moi, on ira avec Farah. Sauver Ghost, sauver le barrage. Reçu. Nick se chargera du transport. J'enverrai un prédateur en surveillance. Ne vous faites pas prendre. Jamais, chef. Restez prudent et ouvrez l'œil. Bonne chance, tout le monde. Watcher 1 ici, bravo. Hop, 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 hop. J'ai fait plus longtemps que prévu. Hein, à la base, comme d'hab, j'étais parti dans l'idée de faire une heure de gameplay, mais quand j'ai vu le niveau dans la neige, je me suis dit, vas-y, on va continuer. Et c'était bien cool, franchement, c'était super sympa. On aura fait 3 missions, je crois. Attendez, oui, on a fait 3 missions. Et 3 missions vachement sympatoches. Et assez ouvertes. Avec celle-là, Oligarque. Pas si ouverte que ça, mais ça va encore. Gratte-ciel, tout en, en verticalité. Et celle-ci-là, qu'on vient de finir, pareil. On sent bien que le jeu se veut bien plus ouvert, hein. Je me demande si c'est pas ce que j'avais dit hier ou avant-hier, mais plus on avance dans la campagne et plus on voit que ouais, ils ont élargi à mort l'environnement, en tout cas bien plus que précédemment, et moi j'aime bien. Après c'est vrai qu'on perd un peu en script, on perd un peu en côté spectaculaire, hein, chose qu'on avait maintes et maintes fois dans les vieux Call of, hein, notamment dans les MW, hein, 2007, 2009, 2011... Et là, en fait, je me demande si on n'aurait pas une espèce de... Merde, comment je pourrais dire ça? Sur le fait que le général ait une dent contre toute l'équipe. Là, dans MW2, là, le MW2 de 2009, on voyait que Shepard s'était retourné contre l'équipe de Price. Est-ce qu'on a vécu là, ce ne serait pas l'annonciateur de ce qui va se passer par la suite? Comme l'a dit Shepard. Vous m'avez fait un coup de poignard dans le dos. Et ouais, vous allez regretter de ne pas m'avoir tué. Bah, je me demande si c'est pas après, hein, dans un éventuel MW4, 5, 9, où on aurait un Shepard qui aurait récupéré un petit peu de force et qui ne partirait pas en guerre, entre guillemets, contre l'équipe de Price. Va savoir. En tout cas... C'était bien cool, mais voilà, encore une fois, moi j'ai bien apprécié ce qui s'est passé. Vous me direz, vous, ce que vous en aurez pensé de tout ça, de ces 3 missions. Quelle est pour vous votre préférée? Est-ce que c'est Oligarque, Gratte-ciel ou Tundra enneigée? Pourquoi j'ai foutu un accent dessus, je ne sais pas. Mais allez-y, dites-moi tout ça. Et bien sûr, avant de partir, le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye.